J'ai voulu créer le Type Michelin pour promouvoir auprès de tous les salariés du groupe, et notamment en France, les valeurs du sport et la pratique du sport. Alors, le Team Michelin, c'est tout simplement l'ensemble des salariés qui le souhaitent et qui veulent soutenir Renaud et Johan dans leur effort de grands sportifs mondiaux. Mais c'est aussi une opportunité pour eux, dans chacun des sites en France, puisque nous organisons un Tour de France, pour chacun d'eux, de rencontrer ces champions et d'échanger avec eux. Et je peux vous dire que ça, c'est une opportunité incroyable. Ce Tour de France, il a déjà commencé. Les champions sont allés déjà dans une dizaine de sites en France. Et ils vont aller dans une vingtaine de sites d'ici les Jeux Olympiques en 2016. Le Team Michelin, qu'est-ce que c'est? Je le qualifierai en quelques mots. C'est plaisir, partage, convivialité, proximité et performance. Christophe, Florian, Frédéric, Stéphanie, William, Francis, Josiane, Johan, Renaud, merci d'être avec nous à Bassins. Bonjour, bienvenue à Troyes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir deux athlètes exceptionnels. Ouais ! Cette journée, aujourd'hui, est consacrée pour les cohésions d'équipe. Merci d'être venu, en tout cas. Michelin donc, a lancé une opération qui s'appelle le Team Michelin. Un Team Michelin, il s'organise en trois axes. Le premier axe, c'est de soutenir Johan et Renaud pour la préparation de leurs Jeux Olympiques en 2018. Deuxième point important, c'est le sport pour tous. Troisième point important, c'est que chacun puisse rencontrer les deux champions dans le site. Ouais, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content parce que moi, je suis champenois, je suis rémois. On apprécie, je dirais, le fait que vous preniez ce temps pour venir nous voir, pour venir rencontrer les gens chez nous. Donc on est sur un site pétrochimique et non pas sur un site manufacturier de fabrication de planètes. Ouais ! Il va visiter à peu près tous les ateliers à la rencontre du personnel. Les gens savent a priori qui il est, mais je pense qu'ils auront des surprises. Pour le login, Michelin pour le mot de passe, et vous allez récupérer les photos et vous aurez également la vidéo. On n'est pas habitué à voir nos sportifs venir nous rencontrer sur le lieu de travail. Je trouve ça super sympa, très convivial, c'est tout simplement génial. Ça vous va? C'est très important de côtoyer des champions de France, d'Europe, ou du monde. C'est la première fois, donc c'est un grand honneur pour moi et tous les gens de l'usine. C'est très, très appréciable. Ça fait plaisir de voir aussi qu'ils s'intéressent à Michelin et qu'on a autant de personnes qui sont intéressées par eux. Et de voir un petit peu l'engouement qu'il y a autour de ça, ça fait vraiment plaisir. De voir en vrai, parce que c'est mieux qu'à la télévision quand même. Et ce sont des super champions pour nous. J'en tremble, vous voyez, j'en ai la tremblote. J'ai apporté beaucoup d'émotions et de rêves. Pour moi, le sport, c'est la fondation de l'homme. Pour moi, le sport, c'est l'esprit d'équipe. Pour moi, le sport, c'est la performance. Pour moi, le sport, c'est la santé. Pour moi, le sport, c'est le partage. Pour moi, le sport, c'est la vie. Beaucoup de monde, hein, on l'a vu dans l'atelier d'où l'on vient. On va le voir dans l'atelier là où nous sommes. Hein. Ça amène le sourire sur les visages. Aujourd'hui, pour nous, c'est la fête. Quoi. Entre champions, on s'en connaît. Deuxième champion. Je fais le marathon en 3-12, mais... Ah, c'est bien. Ouais, mais toi, tu marches plus vite que moi, je crois. Mais... On y va. Et donc là, on est sur la ligne d'arrivée. Quel est votre objectif? C'est de tout donner et puis d'arriver au bout des 10 km complètement, complètement vallé, d'avoir vraiment tout donné et de m'être déplacé. Bon allez, vous allez vous placer? On va se placer là. Donc les sas, c'est où alors? En haut. Ah, tu vas laisser ça où? Attends. Vas-y, il y a quelqu'un qui...
On n'a pas le temps de retourner au... Ouais. Non, ça va être dur. Je pense que les écoles savent tout ça déjà. Ouais. Bon, on y va alors. Forza. On va les calmer, on va les calmer. Ouais. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Avec cheveux 2006. En vrai, c'est quand même exceptionnel. Démarche focus sécurité gestes et postures. Donc le but c'est de faire des séances d'étirement en équipe avec des référents qui gèrent les séances avec des étirements et des focus sur des actions qui posent problème dans nos ateliers et en l'occurrence pour notre atelier c'est les actions de tirer et pousser. Moi écarté, genoux fléchis. Tirer. Bichon. Marc. GG. Mike. Zano. Indien. Kim. Sohabi. L'atelier marche là va consister à faire une petite initiation à la marche athlétique qui perçoivent un petit peu le mouvement de la marche athlétique. Voilà. J'attaque, j'ai entendu, j'y roule jusqu'à la pointe et je me sers de mes bras pour mettre de la vitesse. On va gagner, c'est technique que je peux pas le dire. Johan, avec nous. Parce qu'on a gagné la première manche, pour l'unité justement de l'usine, on va peut-être ralentir un peu. Hein, on va peut-être ralentir. Ouais. Malheureusement, le chef était de l'autre côté, donc bon, là je vais politique, mais la deuxième, maintenant c'est le sportif qui va parler, vous allez voir. Nous avons accueilli Johan Diniz aujourd'hui avec le team Michelin qui est venu faire de l'apprentissage de la marche pour une partie de nos employés. Ça a ajouté à la convivialité de la journée et je pense que ça a été très apprécié par les gens. Le team Michelin, c'est une super expérience pour notre personnel qui est très très content de pouvoir parler, échanger avec deux grands champions que sont Johan Diniz et Renaud Lavillenie. Ça rejoint des valeurs de la maison. Pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, il n'y a qu'un seul message, c'est éclatez-vous et éclatez-nous. Je vous souhaite le bonheur de gagner de l'or et profiter à fond de ces JO. Nombreux sont ceux qui voudraient être à votre place. Renaud, la performance pour toi, c'est toujours plus haut. Alors va chercher ces 6 mètres 20 et reste dans l'histoire le plus longtemps possible. Johan, 36 ans, t'es frais comme un gardon. Oui, il y croit tellement fort que ça ne peut que marcher. Merci encore de tout cœur pour cette opportunité qu'on a saisie. Et puis merci à l'ensemble du personnel. Je crois qu'on a passé un moment de convivialité, d'équipe, de bonne humeur et de partage. Vraiment, c'est super. Et encore une fois, sachez qu'on sera derrière vous et qu'on suivra tous vos résultats. Et n'hésitez pas, si vous voulez quelques conseils, on est là. Nous avons passé une très très bonne journée tous ensemble avec les 800 salariés aujourd'hui sur le site de Sroy. Je remercie vivement et chaleureusement Johan et toute son équipe d'être venus parmi nous. Merci. Après, on m'a rappelé. Michelin, une meilleure façon d'avancer.